Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter la suite de notre histoire, de notre belle histoire, le Père Noël des rats. Alors suivez avec moi, détendez-vous. Augustin, c'était le père des rats. Il arriva, et lui aussi, il regarda par le judas, il regarda d'un œil, puis il regarda de l'autre. Alors il dit tout bas à la mère des rats, c'est gros. C'est gros un père Noël des rats. Puis, afin que de dehors on entende, il cria très fort. Mais ouvre donc, mais ouvre. Tu vois bien que ce bon monsieur a froid. Alors la mère des rats fit glisser le verrou, trop dur, attiré par le froid, et sur ses gonds, la porte grinça. Entrée, dit-elle d'une frêle voix. Alors le gros chat qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats, entra. Comme c'est petit chez vous, dit-il en se baissant pour passer sous la porte. Oh, c'est pour ne pas laisser entrer les chats, dit Augustine. C'est pour ne pas laisser entrer les chats, dit Augustine, la mère des rats. La barbe et le menton, puis le sac, le bâton et le grand capuchon, tout entra dans la maison. Asseyez-vous, monsieur le père Noël des rats. Vous prendrez bien une soupe au fromage. Je ne suis pas venu pour ça, dit poliment le chat. Prenez quand même, prenez quand même, asseyez-vous. Ça vous reposera, dit encore la mère des rats. Oh, je suis le Père Noël, dit le chat. Je suis le Père Noël. Ça se voit, ça se voit, constata avec admiration le père des rats. Et vous venez de loin? Et vous venez, et vous venez de loin? Demanda la mère des rats. Oui, certainement, bien sûr, mais dites-moi, vos enfants ont-ils été sages en m'attendant? Ah oui, monsieur le Père Noël, ils ont été sages très souvent. Dit Augustin en reniflant. Bon, dit le cochon. Il faut suivre. Alors, je vous propose maintenant les mots difficiles. Un œil. C'est quoi un œil? Les gonds. La porte grinça. Asseyez-vous. C'est le verbe s'asseoir. Il constata avec admiration. Il faut bien sûr expliquer ça. Alors, les gonds. Morceau de fer sur lequel tourne la porte. Frêle, ça veut dire faible. Gond, morceau de fer sur lequel tourne la porte. Frêle veut dire faible. Exercice, phrase à reproduire de mémoire, sous forme d'autodictée. Mais ouvre donc. Tu vois bien que ce bon monsieur a froid. Mais ouvre donc. Tu vois bien que ce bon monsieur a froid. Copier et compléter. Chapitre numéro 1. Le père des rats regarda d'un. Il y a un vide, il faut remplir. Puis, chapitre numéro 2. La mère du rat fait glisser le et sur ses la porte. Chapitre 3. Le père Noël des rats entra dans l'arbre. La mère des rats lui dit, vous prendrez bien une soupe au. Répondez aux questions. Chapitre numéro 1. Qui était Augustin? Que dit-il tout bas? Chapitre numéro 2. Que dit le gros chat en entrant? Que lui répondit Augustine, la mère des rats? Et quels sont les personnages que vous voyez sur l'image? Voici les personnages. Alors, quels sont les personnages que vous voyez sur l'image? Attendez,
La suite de l'histoire, c'est donc la fin, troisième partie. Regardez bien. Le Père Noël des rats.